Aujourd'hui, c'est l'événement Une Rose, Un Espoir. Du coup, on va aller voir ce que ça donne. Nous faisons des petites croix au bord des portes pour signaler aux autres motards qu'il ne faut pas qu'ils passent parce qu'on est déjà passé pour ne pas déranger les gens une deuxième fois. Les tirelires sont scellés parce qu'on n'a pas à avoir la main mise dessus sur l'argent qui est pour un don, donc pour être sûr qu'il n'y a pas de fraude ou de choses comme ceci. Sur le plan national, ça fait 22 ans que l'association existe et sur le plan ardennais, ça fait 12 ans. C'est une association qui regroupe que des motards, qui se propose les derniers week-ends d'avril de traverser plein de villages dans les Ardennes et de proposer une rose contre un don de 2 euros. Cette collecte va être reversée en totalité à la Ligue contre le cancer Ardennes pour le bien-être et le confort des malades ardennais. On parle aussi beaucoup de l'association Une Rose, Un Espoir le week-end où on va rouler. Il faut savoir qu'en amont, on a plus de 200-300 bénévoles qui sont là, dont tous ceux qui sont là pour aider à emballer, toutes les associations qui nous aident. Nous sommes venus ce matin à deux camionnettes avec 17 accompagnants. L'APH en lui-même, ça fait plusieurs années qu'il participe. C'était la section de Mont, là, juste à côté, qui la faisait les autres années. Et cette année, on nous a demandé à nous, sur Doncherie, pour le faire, parce que Mont ne pouvait pas le prendre. J'accompagne depuis 2 ans, là, c'est ma deuxième année, des jeunes qui acceptent de venir donner un peu de leur temps pour emballer des roses. Ouais, ça tient vraiment à cœur, en fait. Puis moi, j'adore les fleurs aussi, donc c'est un peu ma spécialité, en fait. Bah, mon rôle, c'est de que tout soit carré, organisé, préparer les circuits qu'on fait, hein, trouver des motards pour organiser les groupes qu'on fait dans les villages. Hein, et puis on fait des repérages, on fait tout un tas de choses qui fait que ça se passe bien le jour J. C'est très convivial, c'est un moment très agréable. Moi, je connais pas tout le monde et puis voilà, c'est un bon moment pour une bonne cause. Ça casse l'image du motard en cuir et à la barbe ou voilà, c'est non mais c'est très bien, c'est très bien. Alors nous, notre mission, c'est d'aller à la rencontre des gens dans les villages, mais on a aussi des points fixes dans les Ardennes, par exemple la Cora, le roi Merlin. Nous sommes là depuis ce matin à 8h. On nous a apporté 600 roses à vendre. Si on n'en a plus, on rappelle pour qu'on nous en livre. Donc on est là sur toute la journée. Bah écoutez, là les gens sont au rendez-vous, ils sont assez généreux. Franchement, les Ardennais ont vraiment bon cœur. Et s'il faut faire une bonne action, ils n'hésitent pas à nous en acheter. Donc il n'y a pas de souci. C'est un acte citoyen, je pense. Et il faudrait que tout le monde mette par rapport à ça.